Agriculture intensive, réchauffement climatique, l'eau proche de l'ébullition. L'eau est une ressource indispensable à la vie sur Terre. Mais ça, vous le savez déjà. Si nous vous parlons d'eau aujourd'hui, ce n'est pas pour vous apprendre à actionner le mitigeur de votre robinet, mais pour parler d'un océan d'absurdité, de raréfaction et de partage. Dans notre imaginaire, l'eau semble être une ressource inépuisable. Il nous est impensable d'envisager qu'un de ces jours, notre robinet pourrait bien ne plus répondre. Pourtant, en France, fin septembre 2020, à cause du réchauffement climatique, 78 départements connaissent des restrictions. Est-ce parce que vous arrosez un peu trop votre ficus? Pas vraiment. Si ces restrictions sont décidées lorsque les nappes phréatiques sont au bord de la rupture, c'est parce que pour ce qui est du partage de l'eau, la France est un véritable Far West. Le premier arrivé est le premier servi. Dans notre pays, on peut s'accaparer des millions de mètres cubes pour son intérêt privé sans craindre de se faire taper sur les doigts. Au contraire, on peut même recevoir des sommes colossales d'argent public pour vous y encourager. Et les responsables politiques, pourtant garants de la bonne gestion de ce patrimoine commun, participent à ces déséquilibres écologiques et financiers, quitte à violer la loi. Vous vous demandez comment une chose pareille est possible? Prenons un exemple précis. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, chaque année, les 6 millions d'habitants consomment 330 millions de mètres cubes d'eau pour satisfaire leurs besoins, tandis que les 500 000 hectares de production agricole en consomment 900 millions pour leur irrigation. Vous allez me dire que 500 000 hectares, hey, Coco, c'est énorme! C'est des champs à perte de vue, donc c'est normal que ça consomme autant d'eau. Mais en fait, non. 500 000 hectares, ce n'est pas grand-chose. Cela ne représente que 13% des surfaces agricoles de la région. Quand 13% des terres agricoles consomment 2,5 fois plus que l'ensemble des habitants, on commence à avoir un petit problème, vous ne trouvez pas? Si l'on regarde à la loupe, ces surfaces abondamment irriguées servent principalement à la culture du maïs. Mais ce n'est pas le maïs que l'on utilise pour nos salades rafraîchissantes d'été ou pour notre pop-corn. Non, ce maïs-là, on le cultive pour engraisser des millions de vaches partout en Europe. Vous l'aurez deviné, tout ça demande de l'eau en quantité industrielle. Pour répondre aux enjeux de la pénurie d'eau du monde agricole, des industriels se sont penchés sur la question. Ils ont cherché et cherché, pas mal dans leur coin à vrai dire, sans trop demander l'avis des agriculteurs ou des citoyens. Et tout ça pendant que certains responsables politiques dormaient. Nous avons eu la chance de pouvoir les rencontrer pour qu'ils nous expliquent leur idée. Vous allez voir, c'est édifiant. Bonjour Charles-Henri, je suppose que vous en êtes venu à la conclusion que les vaches sont herbivores et qu'elles mangent donc de l'herbe et pas du maïs. C'est génial. On va pouvoir arrêter de gâcher toutes ces ressources en eau, non? Oui, on sait bien que les vaches elles mangent de l'herbe, on n'est pas débiles. Chut, ne le dites pas trop fort, après on n'arrivera plus à vendre du maïs ou du soja pour les engraisser. Pourtant, le soja vient d'Amérique du Sud et il contribue à la déforestation de l'Amazonie. Alors que de l'herbe, eh bien, ça pousse sous leurs sabots, quoi. Oh là là, et si on commence à regarder à tout, on fait plus rien, hein. De toute façon, l'Amazonie, c'est très très loin. On peut aussi parler de la qualité de la viande. Ce régime maïs-soja, ça rend le lait et la viande de piètre qualité. Écoute, tant qu'on en produit plein et qu'on la vend pas cher, moi je suis pas regardant. T'as d'autres questions comme ça? Ouais, encore plein. Par exemple, comment on fait pour l'eau? Pendant l'été, les agriculteurs n'ont pas assez d'eau pour irriguer le maïs. C'est pour cela que nous avons décidé de construire des bassines. On creuse un grand trou dans le sol, 7 mètres de profondeur sur 10 hectares, on met une bâche et puis voilà. Ok, donc vous retenez l'eau de pluie pour faire des réserves, c'est ça? Mais non, enfin, il ne pleut pas assez au même endroit pour que ça marche. Alors à la place, on pompe les nappes phréatiques l'hiver et on stocke la flotte pour l'été. Allez hop, emballez, c'est pesé, on n'en parle plus. Ah ah! Sauf que vous n'avez pas le droit, monsieur. C'est proprement illégal. La directive cadre sur l'eau spécifie que l'eau est un patrimoine commun et qu'on ne peut donc pas se l'accaparer pour des profits privés. De même, la préservation des milieux aquatiques est prioritaire face aux besoins d'irrigation agricole. Oui, c'est illégal, mais on va le faire quand même, puisque les agences de l'eau financent ces projets avec des impôts. D'ailleurs, tu peux signer là, ça fera 360 millions d'euros, s'il te plaît. Mais à ce prix-là, vous ne pourriez pas trouver de l'or ou du pétrole? Conséquence de ce progrès, le Marais Poitevin, deuxième zone humide de France, voit le respect des milieux aquatiques complètement piétiné. Pendant l'été 2020, c'est près de 2000 km de cours d'eau qui se sont retrouvés complètement asséchés dans la région Poitou-Charentes. Pomper les nappes phréatiques pour les intérêts privés n'est pas seulement un hold-up des finances publiques, c'est surtout une catastrophe écologique qui met en péril, devinez quoi, toute l'agriculture. Et cela va même jusqu'aux activités ostréicoles. Le risque n'est pas limité à l'absence d'huîtres pour votre réveillon de Noël. Le risque, c'est dans 30 ou 40 ans de voir que l'agriculture est devenue impossible sur nos territoires à force de bousiller les sols. Pourtant, un cercle vertueux peut être adopté dès maintenant. Mais pour cela, il faut changer de logique, voir les choses autrement, partir d'un objectif d'autonomie alimentaire et de réduction des gaz à effet de serre. Tiens,
on pourrait demander à Benoît Biteau, agronome et député européen, ce qu'il en pense. En vérité, des solutions, il y en a plein, et on doit donc les adapter à la diversité des terroirs. L'objectif n'est pas de sortir d'un modèle unique pour en imposer un autre. Mais on ne peut pas compter que sur des initiatives individuelles pour changer les choses. La réponse doit donc être politique. Un responsable politique est le garant de la bonne gestion du patrimoine commun qu'est l'eau, mais au même titre, responsable de la bonne gestion financière. La gestion de l'eau doit donc être pensée et planifiée dans le respect des milieux aquifères, des équilibres écologiques, dans la sobriété, dans l'équité et l'efficacité, avec des responsables qui jouent leur rôle de responsable. L'eau est donc un enjeu du climat. Ne nous laissons pas confisquer l'eau. Emparons-nous du sujet, renseignons-nous, mobilisons-nous pour le partage et la défense du patrimoine commun.